Et bonjour les gens, c'est Mistanos et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Staxel. On entame l'épisode 16 et donc on est arrivé en automne. Si tout se passe bien, on va aller faucher quelques petites fleurs pour récolter des graines, comme ça on n'aura pas en acheter. Et avec un peu de chance, on va réussir à trouver de l'avoine, à trouver du maïs. Et donc pour ça, il va falloir faucher pas mal de fleurs. Donc on va en profiter pour partir un petit peu en exploration. Des fois qu'il y aurait eu des ajouts dans le jeu. Allez savoir, je ne sais pas, on va peut-être tomber sur ces nouveaux personnages. À mon avis, il va falloir remplir des quêtes avant tout. Mais j'étais en train de penser qu'il y avait peut-être le facteur aussi à choper, qu'on allait devoir regarder si on n'a pas du courrier. Bref, c'est parti, let's go to the fun. Bonjour les gens, comment ça va bien? De bon matin, ça va? Bah moi ça va bien. Oh bah on est content de se retrouver une nouvelle fois sur Staxel. Ça faisait longtemps, c'est vrai qu'on a des caisses et des tonneaux à vendre. On en a pas bzf, mais on en a à vendre quand même. C'est cool, il va falloir qu'on s'organise ici aussi. Qu'on fasse encore un petit peu plus de récolte. Allons voir dehors le temps qu'il fait. Délice, t'as faim? Bah oui, Délice, bonjour Délice, ça va ma Délice? On va peut-être t'acheter à manger un jour. Peut-être. Et bah écoutez, il fait beau, on va aller traire les vaches. Allez, alors la poule, c'est ça aussi, un poulailler. C'est bien la peine que je t'ai mise des barrières là. T'es parti là-bas. Apparemment, tu sors pas trop. Mais regardez, c'est complètement de travers. C'est peut-être pour ça qu'elle est passée au travers, justement. Toc, attends, on va faire ça. Et ça, ça commence bien. On va rien faire de ce que j'ai annoncé. Je sens que ça va être le bazar. Bon, bah la poule. Puisque t'es là, Muriel, t'as l'air d'être bien. Mais on va refaire une tentative. Ici. Et ici, par contre, voilà, hop, comme ça tu sors pas. Et va-t'en. Hop, ah bah c'est bien, on prend du temps pour la poule ce matin. On va replacer ça correctement, j'espère. Allez, hop, voilà. Voilà, t'es coincé. Est-ce que tu nous as pondu un œuf? Non, hein. Mais t'es contente, c'est déjà ça. Donc, les vaches. Allez, les vaches. Alors, non, parce que le lait c'est précieux, c'est bien, vous avez fait caca. Hop, c'est que vous êtes en bonne santé. Il n'y a pas besoin de vous nourrir, vous, en fait. Ça sert à rien. Donc, on va faire des économies. C'est bien, ça. Je sais pas si elles meurent, les vaches. Hein. Je pense pas. Des bocaux, tiens. Il va falloir des bocaux. Donc, on a du lait. On va arroser. Oh, bah oui. Bah, on est passé en automne. Donc, toutes les... Ça, c'est les cultures de tomates qu'on sautait. Oh, bah, c'est bien. Ça va faire de la place. Alors, par contre, ça, c'est le bonsoir. On va le ranger ici. Ça, je le laisse là pour le moment. La faux, s'il te plaît, pose-moi ça. J'ai dit pose-moi ça. Oh mais c'est pas possible. Ah oh, bah ça commence bien. Alors la faux, on va faucher. Hop, avec la faux. Donc ça, hop, on supprime. On va... Est-ce que je le garde ce pied d'aubergine? Ça fait toujours ça en plus. Hein. Hop, donc on va conserver ça. C'est mort. Voilà, on va virer toutes ces cultures là cet hiver. Hop, quand ça va sauter. Mince. Ça c'était... Ah non, si c'est bon, c'est mort. Donc tout ça, tac. On peut virer. Ah, ça commence à être mieux organisé. Hein. Oh, quoique. Est-ce que je virerai pas tout ça? C'est moche, hein. Bon, en prochaine récolte. Oh, quoique. Ça, je peux le faire sauter. Ah bah, regardez, maintenant ça s'aligne. Hein. Ça commence à faire quelque chose de propre. Ouais, il y a si celui-là. Ah bah celui-là, tiens, je peux récolter. Pof, maintenant t'es mort. Allez, hop. Et on va replanter des pieds d'aubergine ici, si on peut. D'ailleurs, on n'en avait pas fait pousser. Attends, on va arroser déjà. On va arroser. Donc ça, on arrose. Voilà, on commence à y voir clair. C'est bien. C'est bien, ça s'organise tout ça. On est heureux. On est heureux dans notre ferme. Regardez, des carottes, on va les récolter. La menthe religieuse qui est toujours là, sur ma droite, là, au coin de l'œil. Hop, ça va, Gasper? Ouais, ça va. Ok, on va l'appeler Gasper. C'est Gasper, la menthe religieuse. Une menthe religieuse orchidée, hein, parce qu'elle ressemble à une orchidée. Ça, bon, on peut l'arroser. Tac. Et on va pouvoir planter l'autre graine, là. Vous savez, je crois que c'était une graine d'aubergine.
Oui, il me semble que c'était une graine d'aubergine. Bon, on va peut-être la mettre dans le rang des aubergines. Donc ça va être bien, ça. On va avoir une grosse récolte d'oignons. Ça va être sympa. On va pouvoir planter plein de trucs, genre du tournesol, tout ça. Mais on va d'abord aller faucher. Je arrose ça. Je plante la petite graine là. Et ensuite, on va aller se balader. On va aller faucher quelques fleurs. Et on va peut-être tomber sur un truc de nouveau. Allez savoir, ça, ce serait bien ça. Genre une grotte du côté de la montagne. Ils ont rien fait du côté de la montagne. Ah, c'est curieux. Pourtant, il m'avait semblé. Il m'avait semblé que la montagne, à un moment donné, elle avait plus sa neige. Mais apparemment, je m'étais trompé. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on aille vérifier. À mon avis, sur la map, ça se vérifie déjà. Hein. Hop. Ou alors, il y a des saisons. Non, ok, il y a de la neige. Il y a de la neige. Donc, j'ai eu une illusion d'optique. Hein, une illusion. Oui, non, c'est une illusion. Peut être auditive. Hein. Hop, hop, hop. Donc, ce n'est pas un pléonasme. Hop. Et on va finir ça, ce rang-là. Et on va chercher la petite graine. Est-ce qu'on avait des trucs qui étaient en cours ici? Non, ça n'a pas l'air. Ou alors, ça a disparu. Et ça n'a pas l'air, les abeilles. Oh, bah écoutez, il reste une journée. C'est bien ça. C'est joli, hein, l'automne. Hein, vous avez vu, ça change et tout au gré des saisons. Ça, c'était une aubergine dorée. Et on n'en avait pas d'autres. Hein, c'est ça? Donc les betteraves, c'est pas l'heure. Le tournesol, on verra demain le tournesol. On pourrait diviser. On va diviser toutes ces graines-là pendant qu'on va partir en balade. Comme ça, on va pas attendre devant. Hop, tournesol, allez, vas-y, action. Et cette graine d'aubergine qu'on va planter devant, hop, en tête de file. Toc, comme ça va être joliment fait. On bêchera un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Et on va faire grainer des aubergines, mais pour l'instant, non, c'est pas, ça sert à rien puisqu'il y a déjà du tournesol. Des carottes. Les carottes, on va en faire grainer aussi, mais un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je les pose ici. Les aubergines, enfin, hop, il y en a pas beaucoup des aubergines. Donc pour l'instant, ça nous suffit. Le lait, on va le poser. Oui, on va partir. Il est déjà midi passé. Oui, bah oui, je sais. Y a plus de lait, j'ai dû le laisser là-bas. Ouais, ok, d'accord. Près de la bouilloire et la bouse de vache, on va la ranger dans la caisse et c'est parti. De toute façon, la nuit, on va la passer dans la forêt. Hop, et on va dormir à la belle étoile. On va partir, c'est bien. Je voulais aller vérifier la montagne et de l'autre côté. Allez, on va go vers la montagne, c'est ça? C'est par là? Non, c'est pas du tout par là. C'est par là. Ok, il faut traverser le village, tout ça. Allez, go vers la montagne. Ok, je l'ai vu. Hop, c'est parti, on ramasse le petit glandu. Hop, allez, on se balade, c'est l'automne. On est bien. Oh, c'est joli, les érables qui changent la couleur de leur feuillage, ainsi que les liquides en barre. Oui, les érables, les liquides en barre. C'est joli, les liquides en barre. Hop, 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 ça sent très bon, on fait de l'ambre avec. Oh, il y a plein de papillons, il y a plein de choses. Oh, il y a encore une reine des abeilles. On n'a pas besoin de se casser la tête à en chercher. C'est ça qui est bien. Oh, la montagne est droit devant. Alors, je ferai bien le tour de la montagne, histoire d'explorer, voir s'il y a quelque chose de particulier. Hop, elle monte la montagne à cheval. Bah non, il est à pied. Et il monte la montagne à cheval. Mais non, il est à pied, je t'ai dit. Et il descend de la montagne. Ah, d'accord. Faut que j'arrête, c'est ça? Bon, bah, j'arrête. Pof, pof, pof. Bah, écoutez, j'ai la pêche. C'est bien ça. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire apparemment pour l'instant. Le chat qui passe devant l'écran, devinez c'est laquelle? C'est Délice ou c'est Fripouille? Allez, qui c'est qui casse les pieds? Bah, c'est Fripouille. Mais oui, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose là-haut. Hein. Hop, on est en train de perdre la journée entière à se balader dans une montagne. Il n'y a rien à faire. Toc, 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 toc. Est-ce qu'on pourra ramasser de la neige et faire des golems de neige? Ah non, c'est pas le même jeu. Hop, eh, en tout cas, on a une belle vue d'ici. Hop, 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 allez, saute. Ouais, super. Pripouille, tu descends de là, s'il te plaît, l'écran. Hop, ça commence bien. Bon, eh ben, on n'a pas du tout fauché de plantes. On a la mine là-bas. On pourrait faucher autour de la mine. Entre la mine et la plage. Allez, c'est un bon spot. Toc, toc, il n'y a pas de dégâts de chute. Ça, c'est parfait. J'ai cru voir des champignons. Ça, c'est bien. Bah oui, c'est l'automne. Il y a des champignons. On va en ramasser. Pour des champignons marrons. Je crois que c'est ce qui me manque surtout. Donc, ah, cueillette des champignons. Ouais!
Ah, on s'enjaille sur ce jeu-là. On s'enjaille, on est heureux. Petit criquet, on l'entend le criquet? Moi, je l'entends pas, hein. On n'y arrivera jamais, hein, je crois. Hop, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour un peu que ça nous est utile, et ben c'est pas très important. Hop, parce que ça nous est pas utile, en fait. C'est ça, l'idée. Alors, de la graine. Hop, hop, hop. Est-ce que si je maintiens... Non, il n'y a rien qui se passe. Si, ah si, il y avait l'air d'avoir un truc qui se passait. Non, non. Ah ben si, regarde, hop, toc. Bah, vas-y, toc, 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 il faut que je sélectionne, c'est ça? Ouais, mais c'est bien foutu. Par contre, ça me donne pas plus de graines. Hein. Et ça va pas plus vite que quand si je m'acharne à spammer le clic gauche. Toc, 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 toc. Je regarde derrière moi quand même. Des fois que j'en aurais laissé... On va essayer de pas... Bon, pour l'instant, on a une graine, tu parles. C'est pas super efficace, le fauchage, là, aujourd'hui. Pourtant, il va falloir quand même qu'on en ramasse quelques-unes, parce que si on veut planter demain pour avoir des graines adéquates, on ira plus vite d'en acheter, mais j'ai pas beaucoup de sous. Donc, on va faire des économies. Alors, ouais, forcément, c'est de la patience. Ah, bah ça, c'est de la patience. Pof! Pof, j'étais en train de me poser la question aussi de savoir si l'année prochaine, est-ce que je vous fais des coupures? Parce que ça risque de vous spoiler au niveau des végétaux. On n'a pas tout découvert au niveau des végétaux. Donc si jamais je vous fais une coupure l'année prochaine et que forcément je vais avancer de mon côté, je vais acheter des graines, etc. Et donc ça va vous spoiler, vous allez tout découvrir d'un coup, genre le bambou, les choses comme ça. Plus d'autres végétaux, d'autres plantes. Donc ce serait bien, justement, c'est de les découvrir au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je suis indécis. Ce sera une saison 2, au pire. On pourrait faire une saison 2. On n'a pas fini la première, mais on pourrait finir la première saison, arriver la fin de l'hiver. Ce sera déjà bien, on aura eu un premier let's play. Ça me permettra de faire une pause aussi, entre temps. Et puis de reprendre bien, motivé, avec vous... Bon, on a encore le temps, hein, pour l'instant, avant la fin de cette série. Mais ça pourrait être une idée. Après, à voir, hein, si ça vous conviendrait. Hop, ce serait pas mal. Ah, la bonne nouvelle aussi, c'est que je vais avoir un autre jeu gratuit à vous présenter cette semaine. Peut-être dans le week-end, si je suis motivé. À voir. Faut que je débloque 2-3 trucs encore. Je l'ai testé un petit peu plus d'une heure. Alors, ce sera un shoot 'em up. Avec un scrolling horizontal, pixelisé, tout en voxel aussi, hein, de ce que j'ai pu voir. Après, je m'avance peut-être un peu, mais un petit shoot 'em up, il y en a tellement pas qui sont gratuits, qui existent sur les différentes plateformes. Ou alors c'est des vieux, ou alors format tablette ou format portable. Mais format PC, j'en ai pas trouvé, parce que j'aime beaucoup les shoot 'em up. Moi, ça a été mes premiers jeux. Et donc, petit coup de cœur, rapide, mais petit coup de cœur quand même. Donc, je vous montrerai ça, je le cite pas exprès. Et normalement, vous devriez avoir ça dans les jours à venir. Ça pourrait être sympa. Et dis-moi les graines, j'en ai combien là? J'en ai 9, c'est minable. Tiens, mets ça à la place. Comme ça, je le vois. Voilà, sur le déco. Hop, hop, hop. Voilà, ici, voilà, il faudrait qu'on en ait allez, une bonne vingtaine. Ce serait intéressant. Bah, on va faire ça jusqu'à la tombée de la nuit. Hein. Hop, ça va être passionnant. Quoique, c'est peut-être pas super passionnant. Est-ce qu'on peut toc, toc, hop. C'est pas super efficace, hein, leur truc. Hein. Hop, hop, hop. J'essaye de maintenir le clic enfoncé. Mais en fait, que dalle. Oh, les jolis papillons, regarde, t'auras plus de quoi butiner, tu vas mourir. Hop. C'est sympa, hein. C'est un papillon, c'est un monarque celui-là. Je sais parce que c'est écrit dessus quand tu l'attrapes. Hop. Et on va se faire aussi une journée chasse aux insectes, un de ces quatre. Ah mais c'est vrai qu'il y a le musée, mais il faut rencontrer le personnage, mais il faut faire les quêtes avant. Oh là là, bah oui, bah on n'a pas avancé, bah on n'a pas fini, hein, quand même. Hein. On n'a pas fini le jeu. Puis c'est tellement passionnant de construire. Il faudrait aussi que j'essaye de faire des blocs de couleurs. Parce que j'ai toujours pas essayé de fusionner les pétales avec des blocs. Je pense que c'est à ça que ça sert. Je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre. Des tentures. Hein. Hop. Des tentures ou des teintures. Des teintures plutôt. Hop. On ira pisser dans un tonneau. Parce que ça permettra de fixer les couleurs. Je vous jure, ça se faisait comme ça au Moyen-Âge. Hop, ce n'était pas sale. Hop.
Mais l'urine est un fixateur. Hop, pour les couleurs. De ce que j'ai entendu dire, on confirmera ou on infirmera dans les commentaires. Infirmer. Oui, si, ça le dit. Hop, j'étais pas sûr. J'ai eu comme un doute. Hey, le doute, c'est important. Tac. Je suis au taquet. Je suis content de jouer à Staxel. Et hop, ça, je pourrais faire ça toute la journée. Ben, je crois que de toute façon, on a fait ça quasiment toute la journée. La nuit est en train de tomber. On va voir le résultat. 22 graines. On est bien avec 22 graines. On est bien. Alors attends, on va se balader vite fait. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé quelque chose de particulier? On sait pas. Hein. Tiens, là, hop, il y a trop de fleurs ici. Tac. On va en dégommer. Si on peut ramasser 2-3 autres, c'est bon. C'est pas bon. Hop, ici, une dernière graine. Hop, allez, pour le fun. Qu'on a un chiffre pair, ça change pas grand chose que si on avait un chiffre impair. Téléportation, on va gagner du temps, pof, et on va pas planter ça maintenant, on va planter ça plus tard la nuit, et on va se coucher pour une fois. Allez, on va passer la nuit. Allez, dodo tout le monde, allez au lit. Waouh, première fois. Ah bah tiens, regardez, ça tombe bien, j'ai bien fait de me coucher. Vous avez les jours en bleu ici, 5, 6, 7, 8 et 9 automne, hein, parce qu'il n'y a pas de mois, hein, c'est, il n'y a que des saisons. Ça va être une semaine d'événements et ça va être Halloween. Donc ça va être dans, donc pas le prochain épisode, mais celui d'après. Donc on va pouvoir aller fêter Halloween ensemble. Après on fera pas que ça, je pense pas, parce qu'une semaine d'Halloween, à faire la même chose, ça va pas être possible. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire un petit event, heureusement. Ah bah oui, bah du coup... Comment je fais pour me lever déjà? Ah, espace. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau? Bonjour, Délice. T'as faim, Délice? Waouh! Allez, oui, elle a faim. Il fait beau, donc on va arroser tout ça direct. Direct, on arrose. On verra les récoltes un petit peu plus tard. Tac. On a nos tournesols normalement qui ont dû être terminés de grainer, qui ont dû finir de grainer. Pof. Ici, on n'a toujours pas de récolte. Mais ça devrait être pour le lendemain, donc ce sera dans l'épisode suivant, on aura de la récolte à faire. Ok, donc ça, on le note. De toute façon, avec tout ce que j'annonce et tout ce que je fais pas, c'est pas grave, il y a un moment donné, ça avancera quand même. Pof, tac, on dirait une machine à écrire, tac, hop, insérer le papier, hop, le chat qui passe devant l'écran pour changer. Ouais, bon, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Tac, heureusement. Et là, si j'avais été dans les tournesols, j'en aurais eu plein les yeux. Enfin, je pense que vous avez compris le délire maintenant, depuis le temps que je vous en parle. Toc, donc les oignons, les carottes, c'est sympa au sol. Tout ce qui est aubergine, tomate, concombre et pof, tournesol, bah vous faites des rangs. Là, pour les petits, les fraisiers, pareil, vous pouvez mettre ça en carré ou en ligne hein, aussi. Hein, si vous aimez faire des rangs, vous faites des rangs. Hop, c'est à vous de voir. Mais bon, c'est plus pratique. Tac. Ça, je sais même plus ce que c'est. Peut-être des aubergines. Les tournesols ici. Et on va se faire un secteur pour nos graines en friche là. Pour nos graines en friche, on va faire un secteur. Tiens, la bêche. Si, je l'ai la bêche. On va faire un petit secteur pour tout ce qui est en friche. On va faire ça là. Allez, vas-y, fais-moi un gros carré. 22 graines. Ok, d'accord. 22 graines, ça devrait suffire, ça. Hop. Allez, vas-y. Hop, le petit. Et les graines. Oh, des pétales, bah forcément, on en a récolté plein. Pof, allez. Donc là, on a un petit peu de tout. En espérant qu'on ait un petit peu de maïs, des petites choses comme ça, de l'avoine. Pof. 3, il me reste 2 graines. Il me reste 2 graines, il m'en faudrait, hop, 2 autres. Ce serait bien, 2 autres graines. Comme ça, je pourrais finir le carré. Pof, le rang, la planche. Voilà, la planche, je cherchais le mot. Tout que je voulais donner, hop, la fois dernière. On va pas en prendre au même endroit. On va essayer de garder quelque chose de correct. Pof, on va quand même défricher un petit peu. Ah, tu me donnes une graine, s'il te plaît, là. Hop, une graine. C'est pas grand-chose. Une graine. Voilà, ça y est. Oh, on a réussi. Bon. Voilà, ça, ceci étant fait.
On va planter tout ça. J'allais dire qu'on va s'organiser, mais je le dis 20 000 fois par épisode, donc ça va peut-être suffire comme ça. Donc voilà, là on a un petit terrain en friche, on espère avoir des nouvelles cultures. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Pof. Et donc qu'est-ce qu'on peut aller faire? On pourrait prendre des blocs et aller voir les maisons là-bas. On va faire ça. Ça c'est des blocs aussi. Donc on a des blocs de différentes couleurs. Et on verra plus tard pour le reste. On va les construire. Oui, on va construire. Les armoires, je pense que je vais plus les mettre dans la maison de Cécile plutôt que dans la boulangerie. La belle boulangerie. Pof, ça doit être par là. Donc non, ça c'est la maison d'Emilia. Donc notre boulangerie, elle est où? Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Il y avait un champignon rouge aussi là quelque part que je suis passé à côté, mais je sais plus où il est. Bon, c'est pas très grave. C'est pas du tout là. Où est-ce que je vais là? Et c'est pas du tout là. Qu'est-ce que je fais? Qu'il est où? Qu'il est où? J'avais cru voir une arche. Ah bah oui, c'est là-bas. Oui, bah c'est bien ce qui me semblait. Je papote. Je regarde pas où je vais. Non, mais c'est toujours pas là. Non, c'est derrière. Mais et il est où ce coin? Je suis perdu. Oh, ça se trouve c'est là-bas. Mais oui, c'est là-bas. Mais oui, c'est là-bas depuis tout à l'heure. Oh là là, maison d'Emilia, mais toutes les constructions sont au même point. Qu'est-ce que je suis nul. Oh, c'est pas grave. Voilà, 39, 25. Oh, les pétales, ça va m'encombrer. Ça va m'encombrer tout ça. Qu'ils le vendent au moins $1 quand même. Alors, ici, ce serait une maison. On dirait, pof, pof. Donc la boulangerie, une délimitation, il y a une délimitation. Afficher la zone, s'il te plaît. Voilà, donc ça me rend service. Alors, ça c'est la boulangerie. Donc on va faire un toit. On va dire que ça c'est le toit. Hop, attends. Hop, voilà. Au moins autant de blocs comme ça. Voilà, t'as pas besoin de fenêtre, hein, je pense, boulangerie. Hop, 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 hop. Donc ça, on va faire quand même un coin pour dire que là ça tourne. Hop, là, ah bah j'en ai plus. Alors passons maintenant à cette maison. Affiche la zone. Hop. Waouh, ça avance bien. Ça avance très très bien. Alors, c'est au touche-touche. C'est bien ça. Toc toc, comme ça vous êtes voisins. Donc on va essayer, hop, pareil. Ça ce serait un toit, on dirait. Hop. C'est bon? Non, c'est pas bon. Tiens, hop. Donc, faut faire au moins à cette hauteur-là. Ah bah mince, si je suis trop près, ça va pas le faire. Tac. Donc voilà, ça c'est une belle maison encore. Il y aura plus qu'à meubler, je pense, bientôt. Toc, toc. Donc, faudrait pas que... Hop, on va laisser un couloir entre les deux. Hop, histoire de faire un coupe-gorge. Eh, ça se trouve, ça, cette brique-là, elle compte pour les deux maisons. Regarde, on va les rejoindre. Hop, ça se trouve, voilà, on mettra une porte. Comme ça, on pourra passer de la boulangerie à la maison de Cécile. Oh, c'est bien foutu, hein. Eh ben, dis donc. Là, voilà, ça, c'est joli comme ça. On en a de la chance, hein. Waouh, ben voilà. Alors, est-ce qu'ils ont compté le toit? Est-ce qu'ils ont compté le toit? Oh, ils ont pas compté le toit. C'est dommage, j'aurais cru quand même. Bref, on va quand même prendre une armoire ici. Voilà. Là, l'autre aussi, parce qu'on va en garder une pour nous. Ça, ce comptoir-là, il n'est pas très bien aligné, je trouve. Donc, on va faire quand même les choses bien. Un minimum. Mon chat dans la gorge. Hop, un minimum. Donc, voilà. Donc, wow, c'est chouette, hein. Ah, c'est, je suis vraiment satisfait. Alors, bon, ça avance. On est d'accord. Il en est au milieu de la journée. On n'a toujours pas de sous. On n'a toujours pas de sous. Est-ce qu'on peut piller quelque chose chez les gens? Tiens, un long, hop, du. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les piller dans la mine du bois. On va vendre des bancs. Hein. Moi, je pense que les bancs, ils en ont pas besoin. Ils s'assoient jamais. Les gens, ils sont toujours en train de courir. Donc je pense qu'on pourrait prendre quelques bancs.
Hop, et puis se les approprier pour pouvoir les vendre. Regarde, t'as pas besoin de clôture, toi. Non, t'as pas besoin de clôture. Non, bah non, hop. Tu sais, on a besoin d'argent. Donc, hop, en temps de crise, faut se serrer les coudes, hein, les gens. Toc, 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 toc. On vous l'a jamais dit, ça? Pof, pof, pof. Oh, bah tiens, il manque un bout de bitume. C'est pas grave, on ira lui rendre un autre jour, mais pas aujourd'hui. Donc voilà, on fait un petit peu de, comment ça s'appelle ça, d'aménagement, mais en ville, oh je sais plus, ça porte un nom, c'est du génie civil ça. Hop, alors, ah ça me fait un petit peu de la peine quand même de casser tout ça, ah ça me fait de la peine. Donc c'est pas grave, on va aller voir s'il y a autre chose à prendre ailleurs. Dans ce banc-là, par contre, il sert à rien. Il n'y a personne qui s'assoit ici non plus. Hop, on va faire le tour. Oh bah tiens, regarde une caisse. Ah, c'est vrai qu'on a des caisses à vendre. C'est pas revenu les caisses ici? Ouais, bah non, c'est dommage parce que ça aurait été bien utile. Tiens, bah là, regarde, pof, pof. On en prend d'autres. Ah, on va réussir à faire des sous, hein. Là, un banc. Et hop, il sert à personne. Toc, il n'y a pas de petite mamie, non, rien. Bon bah voilà, déjà on va vendre ça. On va voir combien on se fait de 2 dollars. Hop, oh, petit épisode tranquille, c'est vendredi. Hein, c'est le week-end. C'est tout bien. Hop, on est serein. L'armoire, je la garde, s'il te plaît. Ah, j'ai oublié de la poser chez Cécile, la flûte. On va regarder si quand même les pétales, ça coûte des sous. Mais oui, ça coûte des sous. Bah attendez, on va faire des sous. Ah ben on a des sous alors, hop, c'est les jaunes que je voulais garder, hop, mais le reste je m'en fiche, hop, hop, d'ailleurs j'aurais pu faire colorer les blocs avant de partir. Regardez, on est à 2000 dollars déjà, parfait, on est refait. Alors, hop, des pétales, très bien, on s'enrichit, ah bah ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire, très bien. Oh bah ben oui, la construction c'est pas mon truc dans le jeu là, hein. Pas pour l'instant. Il y a tellement d'autres choses à faire que bon, et puis ça prend tellement de temps bah, qu'on s'y attarde pas. Mais c'est là où il faut jouer en multi. En multi, ça va être sympa. Là, je joue en solo, mais j'oublie que c'est possible en multi. Donc, ça pourrait être marrant, ça, de trouver quelqu'un avec qui jouer en multi. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'acheter? Des graines, hein? Bah écoutez, à la rigueur, un poulailler. Un poulailler, une mangeoire. Mangeoire pour les poules. Un poulailler. Ça, c'est bien. Et ensuite, est-ce qu'on prendrait pas des recettes? Les frites, on a. L'œuf frit, on a. La recette au tartare sauce cerise, popcorn, on a. Smoothie à la pêche mangue, on n'a pas. Un truc à base de pommes. Recette de la compote de pommes. Eh, ça a intérêt. Eh, 810, la compote de pommes. Ce qui sert à rien pour l'instant parce qu'on n'a pas de sucre. Mais je vais l'acheter histoire de dire que je l'ai acheté. Marmelade au citron, smoothie pomme banane. On n'a pas de banane. Donc pomme de terre au four, au fromage, marmelade, confiture de cerise, framboise, mûre, marmelade d'orange, confiture. On n'avait pas la tarte. Voilà. Ah bah non, la tarte aux pommes, on n'a pas assez de sous. 4200 la tarte aux pommes. Bon, on va apprendre la recette. Et on va vite aller à la maison, hop, donc on va se téléporter pour poser le poulailler. Voilà, hop, comme ça, Muriel, notre très chère Muriel, elle aura une petite maison, mais c'est mal foutu. Ah, mais je sais, c'est parce que c'est pas la même hauteur. Donc, Muriel, je vais te donner un poulailler. Faut que je mette la flèche dessus. Voilà, peut-être. Plus dans ce sens-là, voilà, comme ça tu seras contente. Oui, tu seras contente. Et une mangeoire. Je t'ai pas acheté de graines par contre. Voilà. Voilà, comme ça tu vas rester dans le coin peut-être. Et si on arrosait les cultures, parce que c'est pas tout ça, mais on n'a rien arrosé du tout. Et si j'arrose pas, ça va mourir. Pof, pof, pof. Bah oui, il faut faire ça tous les jours. Mais si j'arrosais. Mais oui, j'arrosais. Mais On est au deuxième jour déjà. Mais ça avance vite.
Premier jour, j'ai l'impression qu'on n'a pas dormi. Et mes tournesols. Au voleur, mes tournesols. Et faut rester dans ce secteur en fait, parce que sinon ça dépop, j'ai l'impression. Ah mais si on peut plus partir tranquille. Et mes tournesols, mes 15 000 tournesols, ils sont rendus où? J'en avais masse en plus. On m'a chippé mes tournesols. Ah, je suis vert. Moi qui m'amusais à les planter pour pouvoir les récolter. Ah, mais tout le travail d'une année, là, du printemps, enfin du mois de 6 mois de travail, là. Et printemps, été, tout ça, c'est foutu en l'air. C'est quoi cette affaire? Ah, bah forcément, fallait que ça m'arrive, un truc comme ça. Bon, alors vous le saurez, les gens. Apparemment, ça dépop quand on n'est plus dans le secteur. Ah mince, et donc peut-être que si on quitte le jeu, je sais pas. Ah mais c'est mal foutu, pourtant j'avais pas eu ce problème jusqu'à présent. Ah mais mes tournesols. Ah je suis vert. Ah puis alors racheter du tournesol, ça m'éclate pas des masses. Oh bah non. Ah on vient de perdre une fortune là. On vient de perdre mais une fortune. C'est-à-dire au moins 3000 pétales. Ah mince. C'est quoi ça? Hop, c'est pas en bonne santé. Ah, elle peut pas pousser pendant l'automne. Ah d'accord, j'aurais pas dû la planter. C'est pas grave. J'aurais dû faire gaffe. Mais alors, mes tournesols, je suis quand même assez vénère. Est-ce qu'on a le temps d'aller en acheter? Bah non, pas vraiment. Ah, je suis tellement dégoûté. On va essayer de faire une recette en attendant. On va s'enrichir à nouveau. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait niveau recette? Sans doute des soupes. Soupe à la carotte, tiens. Tiens, c'est la carotte. Bah attends, j'allais dire, on va la carotte, on va la diviser, mais on va en diviser la moitié. On va en diviser la moitié. Pof, au prochain épisode. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien. On va faire une soupe à la carotte. On en a combien là? Bon, on va faire 3 soupes. Hein. Je pense qu'on peut en faire 3. Hop, regardez. Hop, c'est parti. Hop, le rendement à la chaîne. Pof, c'est, on fait ça. Là, on récupère, on en lance une. Allez, j'ai dit on récupère. Et on en lance une. Encore une soupe. Toc, ici. Bouillir. Hop, on refait. Hop, la même action. Toc, ici. Tomate. Hop, on peut faire une soupe. Allez, 2 soupes à la tomate. Tiens, hop. Ici. Ici, on n'a plus besoin. Si, on va ramasser ça. Qu'on va poser sur les étagères. Toc, comme ça. Ah, ça, c'est pratique, par contre. Bah, si, regardez. Hop, on va en refaire une. Toc, ici, comme ça. Là, tomate, on récupère, on coupe. Ah, avant d'aller se coucher, faire 2-3 recettes, hein, c'est un réflexe à prendre. Hop, comme ça, ça se fait assez rapidement. Toc, toc. Et puis, on va s'enrichir au prochain épisode. J'ai pas lancé le truc. C'est pas grave. Allez, vas-y, pose ça, toi. Bah, il veut pas parce qu'il est en pleine action. Voilà. Donc, reprends ça. Pose-moi ça là. Récupère la dernière tomate. Range ça dans les étagères. Est-ce qu'on avait quoi encore? C'est très foncé. Est-ce qu'on avait quoi encore? Au niveau des soupes aubergines, carottes, non, c'est fait. Donc voilà. Donc nous voilà bien. Toc, la troisième soupe. Elle est bouillir. Ça, on peut pas la prendre, si? Non, on peut pas la prendre parce que c'est en plein fonctionnement. Hop, et donc les soupes à la tomate, on va les mettre sur ces étagères. C'est pratique les étagères, hein. C'est un mode qui est sympa. J'ai aussi un mode normalement pour avoir des oreilles d'animaux. Jamais vu, j'ai jamais fait gaffe. Faudrait que je relise ce qu'ils en disent là sur Staxel France. Mais j'ai pas fait gaffe comment l'activer. Et j'en avais un autre qui me permettait d'attacher mes outils au mur. Et pareil, j'ai pas exploité le mode, je sais pas comment ça se fait encore. Donc on verra bien. En tout cas les étagères ça fonctionne. Risotto, il me manque voilà un champi marron. C'est bien ce qui me semblait. Et au niveau des recettes, on a peut-être le temps d'en faire encore une. Une ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Œuf dur, popcorn. Ah, ce serait bien du porridge. Qu'est-ce qui me manque? C'est de l'avoine qui me manque. Une salade ordinaire. Laitue, tomate, concombre et chou. Donc, le chou, ça pêche encore un peu. Donc, betterave, c'est avec de l'eau. Voilà, c'est ça. Au navet, on n'en a pas. Le risotto. On en a déjà fait, mais il nous manque des champignons marrons.
Et au niveau, ah, la compote de pommes, ah, bientôt, bientôt, du sucre blanc. Le sucre blanc, il va falloir qu'on le fabrique. Gâteau ordinaire, un œuf, on en aura bientôt, des œufs, mais il faut que je nourrisse mes animaux. Parce que, à mon avis, la poule, elle va pas pondre si je lui donne pas des graines. Quoique les vaches me donnent bien du lait alors que je leur donne pas des graines. La farine, on en a, du sucre blanc. Ah, il va me falloir des betteraves à sucre. Et je me demande si on peut pas en planter pendant l'automne des betteraves à sucre. Non, c'est que l'hiver. Et du beurre. Oh, le beurre qui coûte les yeux de la tête. Ça aussi. Au niveau, tiens, on va regarder. Au niveau des achievements, on avance bien. Hop, on avance plutôt pas mal. Alors attends, quand tu veux. Ouais, ouais, si, si. Hop. Et normalement, j'ai des récompenses qui vont avec. Hein. Je crois, avec Cécile, voilà. Je vais avoir la poule, voyez. Obtenir un poulet. Voilà, un cadeau. Hop, achievement des œufs. Puis après il faut que j'en ai une certaine. Par contre j'ai pas l'impression qu'on gagne quoi que ce soit une fois qu'on a accompli les achievements. Le bestiaire, on pourrait refaire de la pêche hein. Il nous reste quelques variétés à découvrir. Alors moi je les connais. Mais pour vous j'espère qu'ils vont en implanter d'autres. Oh là. Eh oui, il y a des nouveaux mares là. Non. Ah oui bah si non. Non il n'y a rien de nouveau. C'est je les connais. Et donc au niveau de l'inventaire on est pas. Ah bah tiens on va placer une armoire. Une armoire supplémentaire, ça on va le ranger. Ah mais ils sont là mes tournesols. Oh là 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 là, vous avez dû rigoler. Ils sont là tes tournesols, tête de pioche. Ils sont dans ton inventaire, ton inventaire. Ah vous étiez prêts à l'écrire dans les commentaires. Ah je vous vois. Ah je vous vois, vous étiez prêts à l'écrire dans les commentaires. Bande de petits malins. Et eh ben vous auriez bien fait si je ne l'avais pas vu. Ça me rend service d'ailleurs à chaque fois que vous interagissez comme ça. Mais d'ailleurs ça fait bien plaisir que vous interagissiez. Hop, il fut un temps, c'était pas ça. Là on va la poser là, là, cette bibliothèque. Hop, ici, et puis regardez, on a une caisse. Je viens pas de la poser à l'envers. Vous arrivez à voir vous où il est l'endroit de l'envers? Eh ben ça c'est l'envers. Alors faut faire gaffe parce que si je tape là avec mon marteau, il va aller se poser sur les étagères. Donc l'astuce après c'est de creuser le plancher pour pouvoir récupérer tout ça. Hop, donc dans l'angle, voilà. Maintenant, l'étagère, on la reprend. Pof, pof, pof. Ah, il y a un petit encoche, on dirait. Voilà, vous voyez, en bas. Qui nous permettrait de nous repérer. Bon, bah Cécile, hein, ton étagère, je te la garde de côté. Hop. Et puis on verra ça au prochain épisode. Bah c'est passé vite hein, dis donc hein. Moi j'ai pas vu le temps passer. Bon les tournesols. Les tournesols on les a avec nous. Je vais les garder dans ma barre rapide. Bon bah écoutez les amis, c'était un petit épisode tranquille. On a fauché, on a fait 2-3 trucs. Moi ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. Donc en attendant je vous fais des bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Allez ciao. Bye.